ressemble à son papa. Oh. Oh. Non, c'est tout le portrait de sa maman. Oh, ne vous disputez pas. Oh, il m'a souri. Non, non, c'est à moi qu'il a souri. Oh. Regardez comme il t'aime bien. C'est un vorace comme son père. Oh, c'est une goulue comme sa mère. Ah. Les beaux enfants. Oh. C'est les premiers, hein. Pas les derniers. Oh. Alors, quand est-ce que vous remettez ça? Oh. Oh, mais laissez-la respirer. Oui, laissez-la souffler après toutes ces émotions. Oh, ouais. Et puis, voilà. Après ce que ça coûte, le lait, qui bouge. La poussette, et le siège auto pour les travailler. Les anniversaires, Noël. Un peu tard, la console de jeu. Le portable. Ah, ça, ils n'ont pas fini. Hein. Ah, finalement, c'est les 60 premières années les plus difficiles. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous êtes qui, vous tous, là, les rigolards? Papa. Ah, parce que vous êtes moche. Mais vos parents? Beaucoup, hein. Vos parents, oui. Vos frères et sœurs. Cousin, cousine. Oh, que les tantes. Non, mais... Non mais regardez-les, non mais à peine sortis du ventre maternel, ça la ramène déjà. Ouais. Ça promet, hein. Ouais, bah ça. Vous êtes tous là à nous reluquer, à nous tripoter, à nous photographier sous toutes les coutures. Oh. Qui c'est qui commande ici? Qui c'est qui est aux manettes? L'enfant roi, vous en avez pas entendu parler? Vous êtes pas au courant? Ça commence bien, hein, ils ont pas fini, hein. Ouais. Eh ben, dis donc. Fermez-la. Ah, vous avez voulu un rejeton? Eh ben, vous en avez deux pour le prix d'un. Coudou, bingo, vous allez voir ce que c'est. Mais, non, mais qui c'est qui nous a foutu des dieux pareils? Non, mais ils sont horribles, ces enfants. Non, mais oh. Incroyable. Oh, non, non, mais ça va pas. Deux petits monstres, on dirait. Vous allez la fermer à la fin. On vous a demandé quelque chose, on est là maintenant, débrouillez-vous. Non, mais vous avez vu dans quel monde vous nous avez foutu? La pollution, le réchauffement climatique, les attentats, Ayana Kamura. Ah, il est beau votre monde. Si vous n'êtes pas content, remettez-nous où vous nous avez trouvés. Nous, on n'a rien demandé. C'est des petits comiques, hein. Faites des enfants qui disent, allez. Faites des enfants. Je t'en foutrais, moi. Ragne fait les loyers. Je suis youtubeur. Oh. Ou je fais des vidéos sur internet si vous préférez. Hein? Tu plaisantes là? Non papa, je ne plaisante pas. Mais c'est plaisant chérie, ne t'inquiète pas. Non maman, je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Sérieux. Non. Tu n'es pas sérieux, Corentin? Oh, c'est un vieux coréen. Oh, c'est maman. Si, maman, je suis très sérieux. Mais ne me dis pas que tu arrêtes tes études. Si, papa, ça fait 2 mois que j'ai arrêté les études. Qui m'a donné un fils pareil? 2 mois que tu as arrêté tes études pour devenir youtubeur? Et puis c'est quoi déjà, youtubeur? C'est quand ton fils va faire croire aux gens des choses fausses. Et les gens vont regarder ses vidéos sur internet, du style un prank ASSR, faire des challenges ou des tutos à la noix. Et les gens y croient tellement qu'ils en parleront à leurs proches. Et il va se faire du fric sur le dos des pauvres personnes. Non. En gros, il va faire le con sur internet. Oh, merci papa. Déjà, je ne suis pas con à ce point-là. Et puis moi, je vais faire des vidéos sérieuses. Oh, mais non, je suis pas une religieuse. Oh maman. Maman. Tu sais pas ce qui m'arrive? Victor m'a quittée. Je suis complètement déprimée. Et en plus, je perds mon travail le même jour, tu te rends compte? Oui, ta mère a un amant. Hein? Ouais. Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà. Alors écoute-moi bien.
tes problèmes avec ton mari, tes problèmes de boulot, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu ne peux pas savoir à quel point je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Enfin merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Mais attends, c'est pas fini. Je me fous également des problèmes de ta sœur. Et il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Je rêve. Ma parole, je rêve. Non, non, ma poulette, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, couché, nourri, logé, consolé tous les trois. J'ai repassé vos affaires, lavé vos petites culottes, surveillé vos études. Je me suis fait des tonnes de billes. J'ai consolé vos peines et vos chagrins sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors aujourd'hui, je prends ma retraite. Toi, il te reste beaucoup de temps pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu comprendras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Ah, tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles? Pour une vulgaire histoire de cul? Ah, d'accord. Alors, quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Mais oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse même! Mais enfin... C'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi, ça ne pourra pas durer. Mais enfin, chérie, ça durera ce que ça durera. Même si ça ne devait durer qu'une heure, j'en ferai tout pareil. D'ailleurs, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. Oui. Peut-être souhaitez-vous une autre coupe de champagne? Pas bien volontiers, cher monsieur. Mireille, je vous prie, veuillez apporter une autre coupe de champagne à nos convives. Me laissez là, tranquille, n'emmerdez pas avec ça, je vais le faire moi-même. Voilà, tenez, madame, la petite goutte, monsieur, une petite goutte, jeune homme, on ne voit pas les jeunes, non, non, toi, oh, ça m'étonne. Voilà. Et un petit coup pour moi, voilà, c'était pas bien compliqué, même vous auriez pu le faire. Nous n'avons visiblement pas les mêmes valeurs. En tant que châtelain, nous avons des valeurs différentes des vôtres. Oh, oui, tout à fait. Excusez mon mari, chère madame. Ça ne se reproduira plus. Je vous suis fort reconnaissante, chère madame. Bien, reprenons cette conversation où nous l'avions laissée avant tout ce remue-ménage. Certes. Donc, nous allions aborder le sujet de l'union de nos deux enfants. C'est-à-dire... de leur noce, si je me suis bien fait comprendre. Ben ça va, on n'est pas si con, hein. On sait ce que c'est qu'une union. Monsieur, s'il vous plaît. Mariage, quoi. Les enfants choisiront. Hein. Ah, justement, non. Dans les familles aristocratiques, la cérémonie se déroule à l'église, puis nous organisons un vin d'honneur au château familial, et nous terminons par un repas de famille afin de célébrer l'union. Un château? Quel château? Quel château? Notre château qui se situe sur la Loire, évidemment. Ah, évidemment. Oh. Un château qui a abrité toutes les unions de ma famille depuis des générations, et nous ne pourrons absolument pas déroger à cette tradition. Mais vous ne pensez pas que les enfants pourraient choisir eux-mêmes le mariage qu'ils souhaitent? Oh, madame, vous n'y pensez pas. Oh, ben écoutez, de toute façon, la pupuse, elle n'est pas baptisée. Alors le mariage, disons. Pardon. Oh, Jésus, Marie-Joseph, je suis complètement scandalisée. Comment avez-vous pu laisser cet enfant du sein de l'église pendant toutes ces années? Je suis outrée. Oh, mais elle me réemmerde, la rongère. Oh là, là, là. Notre fille n'est pas baptisée parce qu'on n'y croit pas, votre Jésus. Ça pour Paul Jacques. Pardonnez-moi d'avoir laissé ces mécréants rentrer dans notre demeure. Le ciel. Quelque chose. Je sens que je vais me sentir mal. Calmez-vous, Marion. Mais vous vivez à quelle époque? Franchement, si vous croyez que nos enfants ne se touchent pas et ne s'embrassent pas avant de se marier, je crois que vous faites fausse route, hein. Là, si ça se trouve, ils ont peut-être déjà... Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, non. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire.
Bah, si ça se trouve, ils ont peut-être déjà consommé. Sainte Marie, Mère de Dieu, consommé. Mais trouvez d'autres mots, monsieur. Ces odieux personnages sont en train de dévergonder mon fils. Oh. Si ça se trouve, mon fils a déjà péché. Je ne m'en remettrai pas. Jean-Bernard, faire quelque chose. Au lieu de rester planté là sans rien dire. Prenez la défense de votre famille. Soyez un homme. C'est